Parlons à présent de cette cérémonie de départ à la retraite d'une dizaine d'agents de la compagnie minière de l'Ogoué. C'était ce matin en présence de Charline Wora Pirambimi et Arnaud Menguet. L'abnégation au travail et le goût de l'effort se récompensent. 11 agents de Comiloc admis à la retraite en 2023 ont été honorés au terme de 18 et 39 ans de loyaux services. Une marque de reconnaissance perpétuelle qui traduit la volonté du leader mondial du manganèse à accompagner son personnel pour avoir concouru au rayonnement de la société minière. Vous laissez la Comiloc en bonne santé avec des perspectives radieuses et des défis passionnants à relever. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice. Vous pouvez vous vanter de quitter la Comiloc avec le sentiment du devoir accompli. Couronnement de vos nombreuses années de dur labeur. Plus de 30 ans de service passés au sein du géant de l'industrie minière, c'est toute une histoire professionnelle, symbole d'engagement et de fidélité. J'ai vu passer de jeunes ingénieurs ETS que j'ai dû encadrer. Et donc aujourd'hui, je suis fier d'avoir travaillé dans cette entreprise de renom, une entreprise très compétitive. Quand je suis arrivé à Comiloc, nous étions à 2,5 millions par le téléphérique. Et le produit arrivait à Pointe-Noire. Et aujourd'hui, nous sommes à 7,5 millions. Donc après près de 40 ans, nous avons multiplié notre production par 4. Quand je suis arrivé à Comiloc, il n'y avait que 8 locomotives. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine. Donc j'ai vu des directeurs passer à ceux dans cette entreprise. Donc je suis tout à fait satisfait du travail accompli. Des gratifications qui cadrent parfaitement avec l'idéologie de la compagnie, plaçant les ressources humaines au cœur de sa performance et au centre du développement du pays.